Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, pour ma part, ça va super bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'usine que j'avais fait la dernière fois. Si vous vous souvenez bien, je ne me rappelais pas du tout de l'histoire. En fait, c'est pas que je me rappelais pas, c'est que je ne la connaissais pas du tout. Alors, j'ai mené ma petite enquête et j'ai pas découvert grand chose parce qu'en fait, cette usine, elle est comme inconnue à tout le monde. C'est comme si personne la connaissait. Alors du coup, j'ai demandé à plein de personnes pour voir s'ils connaissaient un peu l'usine, ça. Personne la connaissait. Alors du coup, j'ai trouvé ma petite idée parce qu'en fait, par rapport au témoignage que j'ai eu, il y a eu beaucoup d'autres usines un peu comme celle-ci, où c'est qu'ils fabriquaient comme de la... Enfin, ils fabriquaient pas, mais ils faisaient beaucoup de peaux d'animaux. Donc les autres fermes, donc, enfin pas les fermes, mais les usines d'à côté, donc un peu plus loin de celle-ci, eh bien, ils faisaient beaucoup de textiles avec des peaux et tout. Et il y avait aussi de la laine. Alors, du coup, je pense fortement, j'en suis pratiquement même sûre, que cette usine a été faite pour justement tout ce qui est textile et tout ce qui est peau. Donc, à mon avis, ils devaient aussi prendre les animaux, qu'ils devaient avoir donc des animaux, sur d'abattoirs, donc une abattoir. Et avec cet abattoir-là, ils abattaient sans doute les animaux. Donc les tuer, récupérer donc les peaux et du coup revendre la viande au marché, tout ça. Et ce qui se passe, c'est que comme là vous voyez, là vous allez voir, dans pas longtemps, il y a une sorte de bâtiment. Voilà, celui-ci, c'est un bâtiment qui est vraiment à part. Donc peut-être que là, peut-être qu'ici, il mettait sans doute la réception animalière, peut-être l'arrivée justement des bêtes, tout ce qui est cochon, mouton, justement pour pouvoir sans doute récupérer les peaux et peut-être même les pieds aussi, parce que sur le lieu, vu qu'il reste encore 2 pieds de cochon, c'est en fait de cochon, je suis quasiment sûre que c'est du cochon. Après, je ne travaille pas dans des abattoirs, donc je ne suis pas sûre à 100%. Disons que je suis sûre à quasiment 50%. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça a des photos, des images que j'ai mises, justement pour vous montrer un peu le lieu. Donc du coup, ouais, le lieu, en gros, l'usine servait tout ce qui est abattage animalier. Je sais pas si c'est français, mais bon. Voilà, abattage animalier et surtout tout ce qui est textile et peau. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pu découvrir un peu sur le lieu. Donc du coup voilà. Après, j'ai pas trop filmé justement parce que vu que vous avez déjà vu le lieu en lui-même, je me suis dit ça sert à rien de vous refilmer. Donc du coup c'est pour ça que je vous fais ce genre de format-là. En attendant, j'espère qu'il vous plaira. Moi je vous ai tout dit, tout ce que j'ai pu savoir sur ce lieu-là, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.